Donc, continue donc avec cette histoire. Je disais donc une destinée, une société qui doit faire travailler tout un planning familial, qui doit mettre les bases de la refondation de la famille. Quelqu'un veut prendre ça pour donner à un enfant. Quel égoïsme, quel égocentrisme. Vous connaissez combien d'ancêtres qui sont véhiculés pour contredire cette histoire?72 millions. En haut et en bas. 72 millions. En haut et en bas. Et qui regarde tous les cosmos, toutes les galaxies. Vous pensez que vous pouvez prendre cette histoire pour confisquer ça? Est-ce que ça peut être possible? Est-ce que ça peut être possible? N'est-ce pas, je vous ai dit que l'histoire qui a commencé ici en 2016, cette bataille qui a commencé ici en 2016, qu'on ne veut pas cette histoire qu'on dissimule dans la famille de l'enfant. Hein? À la mort de la petite sœur, la dernière, la lune est devenue rouge. Je vous ai dit quoi? Que le moment a commencé, le sang va couler dans tout le monde entier. Ils pensent qu'ils font ça pour qui? Ils font ça pour qui? Nous allons tous mourir dans cette histoire. Parce que le sang va couler. En réalité, là, je vous le dis. Ce n'est pas un jeu. Et personne ne sera épargné. Parce que je sais que les impérialistes ne peuvent pas lâcher. Ils ont le cœur dur comme le fer. C'est les gens les plus orgueilleux du monde. Quand ils veulent quelque chose. Quand ils veulent quelque chose, ils préfèrent mourir dans cette chose, même s'ils ne l'obtiennent pas. Mais au premier moment, ils pensent qu'ils gagnent, parce que c'est les gens, les premiers gens qui ont peur de la mort pour que tout le monde. Et moi, depuis 2016, depuis 2017, oui. 18, oui, 18 ou 19, j'avais commencé à dire que je suis préparé pour la mort. Je n'ai pas un problème à ça. Mais continuons le combat. Fin 2018, partie de Oui, 2018. continuons le combat. Moi, je suis prêt. Même pour la mort violente, je suis prêt. Je n'ai aucun problème à ça. Mais je vais réussir à cette mission. Parce que je perds le corps, mais je ne meurs pas. C'est quand les Allemands ont exécuté les anciens ici. Sur la cour royale, commençant par l'établissement, le 8 août, le ciel a changé. Le 10 août, la Première Guerre mondiale a commencé. Vous pensez que le Cameroun est quoi? Ça commence par le Cameroun. Ce n'est pas un jeu. Si je sors pour vous dire, parce que je sais ce qui se passe, parce que je sais ce qui se passe.
Je suis au milieu d'eux. Mon âme est au milieu d'eux. Les contrôle, les voit. Si je vous dis quelque chose et que vous le niez, je vous donne seulement le temps. Et moi, je ne suis pas une personne qui vient peut-être pour chercher de l'argent ou pour former un groupe de personnes ou la religion ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un que quand je viens, c'est pour accomplir les prophéties. Donc, quand je commence à parler, des choses commencent à se manifester. Mais j'avais demandé au maître que, mais pourquoi tu as accepté que je sois affligé de cette douleur, de cette haine, de cette peine? Le maître m'avait répondu que si et seulement si tu n'es pas prise par la grande douleur et la grande violence, il ne suscitera pas la décision en toi de vouloir laisser quitter ce monde corruptible parce que la majorité de ton énergie qui est utilisée pour maintenir la corruption. Alors tu dois quitter le corps corruptible et la violence doit se passer autour de toi. Je l'accepte, c'est mon travail. Parce que je veux que le monde soit purifié. Mais il fallait que, ou il faut que l'histoire soit connue de la bonne façon. Et que tout le monde soit prêt à accepter la fin d'une civilisation. C'est normal que la civilisation doit partir. Mais elle doit partir comment? De quelle forme? Il faut que chaque personne soit préparée. Ceux qui veulent faire des fortunes, se bâtir avec des fortunes, c'est eux qui refusent que les autres soient informés de ce qui arrive et que les choses les surprennent. Et qu'ils continuent à manipuler les choses pour les prendre leurs énergies. Parce que si quelqu'un connaît véritablement qu'on l'utilise, véritablement qu'il est un esclave, il va commencer à même s'il faut mourir pour quitter dans cet esclavage, il va le faire. Vous voyez un peu. Donc la grande mère de l'enfant s'est fâchée doublement parce que la personne qu'elle a donnée, qu'elle voulait introniser, la petite sœur de l'enfant, le haut a refusé. Tu savais qui est incarné? L'âme de qui? Cette petite fille qui est morte ici et que la lune est devenue rouge, elle incarnait l'âme de Jeanne d'Arc de France. Pour vous dire donc que c'est les mêmes gens qui ont travaillé là-bas qui reviennent. La Jeanne d'Arc de France qui a initié même dans les coulisses des vrais, la véritable rose-croix que les uns ont pris sur, maintenant ils ont falsifié des identités. Qui étaient les vrais? Pas aujourd'hui les choses qu'ils combinent, qu'ils machinent. La Jeanne d'Arc de France, c'est la même histoire. Tous sont de la lignée royale. Oui. Bon, Vénérable Maître, quelle sera la fin de la grande sorcière? Mais la grande sorcière doit se séparer complètement parce qu'elle doit être déçue de toutes les promesses qu'elle n'a pas eues et qu'elle se sépare complètement. Des impérialistes.
qu'elle enlève son âme complètement et qu'elle regrette ce qu'elle a fait. C'est pour cela qu'on la maintient encore en vie. Mais sinon, c'est une grand-mère qui n'a plus rien à faire sur terre parce que elle n'a même plus une vie valable. À plus de 80 ans, on va... Mais il faut qu'elle regrette. Il faut qu'elle parle. C'est la chose que je lui ai toujours demandé. Que parle ce que tu as fait à l'enfant. Parle. Parle. Dis la vérité et libère-toi. Laisse ces gens-là, ils ne te donneront rien. Ils ne te donneront rien. Les parures que tu portes dans la nuit, le corps de gloire dépasse ça de 1000 fois. C'est rien. Si et seulement si tu laisses ces gens et tu commences à te préparer, tu te transformes et tu commences à te préparer pour aller prendre le corps de gloire. Tu te repentisses et Dieu te pardonne. Parce que Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner tous. Il va pardonner tout le monde. Mais il faut que toutes les âmes passent par la repentance. Vous-même, vous avez assisté aux tragédies, non? Depuis 2016, vous avez vu des tragédies. Énormes tragédies. Jusqu'à maintenant, même moi qui suis là, je n'ai pas encore de paix. Parce que ça ne s'est pas encore arrêté. Pensez que c'est ma famille seule qui doit subir cette histoire et être dissimulée. Non! Nous allons suivre cette histoire tous parce que nous sommes commandés par le monde, par le Seigneur. Tout le monde va suivre cette histoire. Et ceux qui ont voulu machiner de cette histoire seront machinés et détruits par leurs propres armes qu'ils ont confectionnées et qu'ils vont mettre en l'air. J'ai commencé par vous dire que je suis en train de venir, non? Vous ne savez pas comment je suis en train de venir vers vous. Moi, je connais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je connais ce que c'est que le combat. Moi, je suis préparé. J'avais commencé mon confinement depuis. Je suis très préparé. Ne pensez même pas à quitter de l'exil. Vous n'êtes plus prêt de quitter dans cet exil. Événement sur événement. Jusqu'à ce qu'on retrouve Dieu. Ne jouez pas avec ça. Vous aurez espoir, mais vous retomberez. Au même temps que vous avez espoir, au même temps vous retombez dans les événements. Nous allons partir en exil. C'est ça la vraie histoire. Je ne suis pas là pour jouer. Ceux-là m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Et ils savent de quoi mon grand être, le maître, est capable. Je ne suis pas seul. Je suis là avec des humanités qui sont descendues, qu'on appelle les extraterrestres. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez même pas les sentir. Mais jouez. Il faut que les impérialistes jouent. On va jouer à ce jeu. Parce qu'ils pensent que c'est le jeu des énergies.
On demandera pardon à l'enfant. C'est moi qui dis. Que ce soit les fantômes, que ce soit ceux qui seront aussi sûrs avec le corps physique vivant, on demandera pardon pour tout ce qu'on a fait autour de l'enfant. Donc c'est ça l'histoire. Ça, c'est trop long. Je ne peux pas rester vous raconter tout. Mais avec le temps, petit à petit. Et sachez que le jour où je dévoilerai le nom, de la grande mère de l'enfant, il y aura d'étonnement. Soyez prêts. Merci, vénérable maître.